Allô tout le monde, voici Champion MMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série serveur. Aujourd'hui, nous sommes dans un serveur de Fontainebleau. Et nous allons jouer à Vampire. Allons-y. Intéressant. Map intéressante. Bon, faut attendre 2 joueurs par contre. Mais c'est ça. Ça fait un petit bout que j'ai pas joué à Vampire. Honnêtement. J'ai déjà joué dans le coin de son ouverture. De son lancement. Mais là, ça fait un petit bout que j'ai pas joué. J'ai bien hâte que de savoir si je veux l'être. Puis j'étais pas pire en plus. Je connais tous les rôles, à moins qu'ils ont changé les rôles entre temps. Mais j'étais pas pire, j'étais capable. Autant Vergeois que Vampire, j'étais capable de survivre. Du moins, plus de la première nuit. Au moins. 8 joueurs, toujours. Je sens que ça va être long. Je suis le prince des ténèbres. Yes! Et nous commençons. À moins quelqu'un qui aurait quitté exprès. Par exprès. Wanderson. Oh! C'est quoi déjà le Wanderson? Je sais même plus c'est quoi Wanderson. Je sais que je suis un villageois, mais Wanderson, si je me trompe pas, c'est le chasseur. Ouais, je pense. Je me trompe. Non, je ne sais plus. Et oui, moi, je mets toujours en mode commande. Tout simplement parce que ça me tente. Woody Magma. Il n'y a rien d'intéressant de toute façon. On fait juste se prévenir, puis suspecter le monde. Donc je permets à tout le monde l'insulte. D'où qu'ils sont pour dire ça? Ici, je permets à tout le monde de l'insulte. Un peu. Moi, personnellement, mon père m'a quitté avant ma naissance et je suis content. Qu'est-ce qu'ils ont le monde avec leur père? À huile. Drôle de conversation quand même. Vraiment, n'importe quoi. Il commence dès le départ. Il voit la gueule. N'importe quoi. Il peut pas essayer de trouver ce qui est coupable. À moins que ça soit lui, Gabal. Ça se peut que ça soit lui. Puis il veut mettre ça, passer en dessous du radar en disant n'importe quoi. C'est peut-être vrai. C'est fort. C'est peut-être vrai, mais. Vous comprenez ce que je veux dire. C'était un prêtre. Firbase, j'ai un doute que... Comment ça s'appelle déjà? Que... Gabal est un vampire. Je sais pas si ça serait le prince ou non, mais j'ai un doute. L'agitateur a décidé de lancer les élections. Pourquoi pas moi? Souvent, celui qui est nommé maire, c'est souvent le premier qui meurt. Souvent. Moi, il faut que je pense à quelqu'un. Si je meurs, faut que je pense qui tuer. Absolument.
À date, je serai Gabal. Je me ferai tuer. Comme j'ai un doute. Ça se peut que je me trompe, comme ça se peut. Okay. Non, c'est les élections. Wouh, ça parle mal. Votez moins, votez pas. Exoka. Peut-être un doute aussi pour lui. Exoka. Juste sa phrase. Ici, il m'a l'air suspect. Vous avez vu ça? Bon. Je ne suis pas suspecté, heureusement. Et moi je vote. Tant qu'à être là, Exoka. On va lui puis Gabal. Prochain, c'est Gabal que je vote. Suracle. Ok. Si on me suit. Si on me tue, j'emmène une personne avec moi. Me semble, ça devrait dire qui que je suis, si on une pensée logique. Trois maisons à ma droite. Je suis Oracle que j'ai dit qui était le. Exoka et aura oh le voyant. Gebal. C'est un villageois. Souvent je passe la première nuit. La deuxième souvent aussi. Je suis souvent loin. Honnêtement. Bon, je suis Oracle, j'ai dit que était le Vanderson. Ça faisait Exoka, il me défend. C'est ce que ça faisait. C'est Python, l'oracle. L'oracle. Ok. Non, c'est moi, Python et Inso. Insomniac. Les pitons, si je suis innocent, tu es Exoka. C'est ça que c'est pas eux. Gabal, ça j'ai un gros doute sur lui. Exoka, il a dit que j'étais Vanderson. Si on remonte un peu. Exoka. Non, je l'ai eu faux. Il étudie code Python et champion. C'est un peu métrique cela. Et champion pour savoir qui. Ouh! Code Python. Il peut l'être aussi, hein. Si on me tue, j'emmène le prince avec moi. Et moi, je vote Gabal.
Tiens, une dette depuis le début. Sur. Gabal. Je sais pas si prince ou vampire, mais. Ou le fidèle corrompu, il faut pas l'oublier, le fidèle corrompu. Mais je suis sûr qu'il est dans l'autre côté. C'est sûr et certain qu'il est de l'autre côté. Puis qu'il est pas net. Puis peut-être code aussi. Python code, code Python ou peu importe comment il s'appelle. Code Python. Oh, il y a deux codes. Python. Des fois, je joue avec le nom. C'est ça qui est drôle. Puis je le dis. Le nom, il y a de l'air suspect. N'importe quoi. Non, je. Souvent, ma. Il y a un jeu qui s'appelle Le Tricheur. Puis je trouve régulièrement des bons tricheurs. Régulièrement. Pas tout le temps, mais. Très régulièrement. Puis souvent. Puis là-dedans aussi, j'en ai trouvé souvent. À un moment donné, je disais, c'est lui, monte-moi, va, c'est toi, on me fait pendre. Et j'avais raison. Est-ce que... Vive Bob Lennon. J'avais raison. Je vous l'avais dit, que depuis le début. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a donné le doute, justement? Je l'avais dit que c'était lui. Je l'avais dit. Je vous l'avais vu. On sait plus qu'est-ce qu'il disait. C'est-tu lui que. Cette partie-là ou que l'autre partie qui disait. Ah, son père, mon père. Blablabla. Juste pour passer en dessous du radar. Je pense que c'est celui-là. Je m'en souviens déjà plus. Ça fait drôle, enfin. Mais si c'est. C'est cette partie-là que je disais. J'avais raison. Là, faut trouver le prince. Je savais pas que si c'était le vampire ou le prince, mais peu importe le cas, j'avais raison. Si on m'aurait tué et que j'aurais attaqué lui, j'aurais eu correct. Là, faut trouver le prince. Moi, je cherche pas le fidèle corrompu. Il reste juste une personne à anéantir. Et j'irai pour code Python. Ce qui est sûr. Ok, attends, wow. Si on me tue. Oh. Que c'est pas les maisons de gauche. Attends qu'on on fait un marché. C'est un villageois, c'est code Groovy. Ok. Hey. C'est lui à ma droite. Code Python. C'est où Code Python? Morgan. Code Python. Il est où? Ben là. C'est qui ça? Il cherche sa prochaine victime. Code Python. Il est à sa droite. À moins que ce soit le. Anderson. C'est comment ça s'appelle déjà? Ou Bangla. Lui, il dirait que Bangla. J'ai un doute qu'il y a raison. Que c'est peut-être Bangla. C'est difficile à savoir. Je vais attendre vers la fin. Pour que ce soit lui. Ouais, je vais changer. Non, il a raison. Non, c'est Bangla, le prince. Je vais vous dire pourquoi. Le vampire, on n'oubliez pas,
Le vampire tue le monde. On s'entend? Puis là, pour. Puis moi, si je serais vampire, j'attaquerais. J'irais avec le monde, j'attaquerais les villages. C'est une somniaque. C'est ce que je me disais. Ce qui veut dire, le tueur, c'est Bangla. Le prince des ténèbres. C'est moi qui ai changé. Et j'avais raison de changer. C'était les somniaques, c'est la petite fille dans le jeu Garou. C'est Bangla. Le vampire. Je vais. Là, il est foutu, le vampire. On va donner des arguments solides pour détruire. Ah, c'est moi le prochain. Tu es mort. Si tu me tues, si tu prends moi, tu es mort. Et les villageois ont gagné. Si, j'ai raison, bien sûr. Quand c'est, je suis le prince des ténèbres. Je suis sûr, certain 100%, c'est Bangla. C'est. Vous voyez que quand même, on peut avoir une hésitation, puis changer complètement. Non, c'est pas lui, c'est lui. On pense c'est lui, mais en fin de compte, on change. Il cherchait à sa droite. C'est ça qui m'a fait penser. Il était à sa droite. Si il aurait été à sa droite, ça veut dire automatiquement, il a vu quelqu'un. Et c'est qui? Ah, c'est moi, je savais. Bangla. Et c'était. Ok, faut que je le fasse. Pile! Attends un peu. Sur son vol, revoir. Le prince des ténèbres, Bangla. Et ce que j'avais dit. J'avais totalement raison. Ah. J'ai eu 2 sur 2. Si j'aurais pas pris Bangla, c'est les vampires qui auraient gagné. Mais là, c'est pas le cas parce que je pense qu'ils savaient que je le savais. Ou de toute façon, il y a. J'aurais donné des arguments que c'est Bangla qui l'aurait eu, plutôt que qui, pas qu'il l'aurait eu, mais qui est le prince des ténèbres. Et ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo, dont une reset. Je vous l'avais dit que je me rends très loin quand même. Régulièrement, je me rends loin. Je me rends pas tout le temps jusqu'au bout, mais je me rends souvent loin. Des fois, ça a déjà arrivé quelques fois que je me fasse éliminer dès le début, mais plus souvent arrive que je me fais pas éliminer, puis que je réussis à avoir un bon résultat comme ça, et 2 sur 2. Le deuxième par contre était plus difficile, mais j'ai quand même. On peut voir quand des fois notre jugement peut changer tout simplement. Je ne me suis pas ramassé de gemmes malheureusement. Mais c'est pas grave. Bon, c'est bien amusé quand même. Il aurait fallu que je ne sois pas mort. Mais je sais pas pourquoi. Il aurait pu. Probablement, il savait qu'il serait mort. Et ça serait fini pour lui, je veux pas. Il restait 3 personnes. 2 personnes contre lui. C'est fini après. Et on aurait gagné, je veux pas. Puis j'ai bien fait de changer mon choix. Puis ça aussi c'est un instinct comme qu'on pourrait dire. Mon instinct m'a allé fortement aviser cette personne-là, les 2 personnes. Des fois on se trompe, mais je me suis surpris. Alors pour ça, on se dit bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo serveur, lequel j'ai aucune idée, puis qu'est-ce qu'on va faire, aucune idée encore. Mais ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas fait une vidéo serveur et je suis bien content de faire cette vidéo avec vous. Parce que la dernière fois, c'était dans le temps des fêtes qu'on est venu ici, puis c'était nouveau. J'ai pas pu le faire. Oui, je pense que c'est là, c'est nouveau. J'ai pas pu le faire tout simplement parce
parce que c'est comme ça. J'ai pas pu le faire. Vu que c'est un spécial Halloween ou Noël, je m'en souviens plus. Peu importe. Alors pour ça, je vous dis merci à tous. Tant peu. Juste vous. Montrer le château. Avec la lune de feu. Dans Zelda. Oh, on est peut-être dans Zelda, peut-être. Tout ce qu'on fait.